je voulais les anti-red carpet, non? Je voulais une chose d'une élégance moderne, désinvolte, où les filles peuvent bouger comme si elles étaient dans leurs jeans, mais de ne pas être dans leurs jeans. Non? C'est pour ça que j'appelle ça le new vintage, parce que ça n'a rien à voir avec les vieux coats, c'est l'esprit d'eux, mais fait pour une attitude d'aujourd'hui. Et puis sous ces manteaux brodés, c'est à la place des manteaux de fourrure. La différence est encore plus chère. J'aime bien aussi l'allure d'Europe du soir, qui ne sont pas des robes prétentieuses. C'est comme les femmes dans le temps, pour aller dîner, mettaient des robes comme ça. Ce n'est pas du red cap pour de pétasse. Non. Parce que vous savez, dans la couture, vous montrez une robe qu'une femme a commandée. Sur un red carpet, la femme la décommande à la seconde. Ah oui, oui, oui. C'était spectaculaire. Ce que j'ai aimé, c'était le fait que c'était aussi très portable pour de la couture. Le dernier modèle était plus que parfait et la robe de mariée magnifique. Tous ces pantalons à taille haute, les manteaux, les chemisiers, j'ai adoré tous les mélanges de tissus, le mohair avec la soie. C'était si beau. J'adore. I'm in love. De loin et étant pas si professionnelle que ça, mais j'avais l'impression que toutes ces couleurs pastels, c'était tellement des couleurs Chanel pour moi dans mon inconscient, et des sortes de matières d'une grande douceur, et après toujours des détails inouïs. J'adore ces sortes de retours de manches en cuir. J'adorais aussi les pantalons taille haute qui étaient magnifiques, et très envie de me marier.